Excuse-moi pour le retard, Dino. Mais j'ai eu un contre-temps. Je suis passé chez... Brax, je t'écoute. On a perdu la cargaison d'agents. On s'est fait doubler par Sauvania. Pire. On a perdu Pierrot la plume. Et je crois que c'est un chien. Qui? Bah justement, c'est de ça dont on jouait de parler. Eh bien, parle. À tout à l'heure, je suis passé chez Marcus pour récupérer sa part. Ah, Jean-Jean, t'es en retard, mon vieux. Fais comme chez toi, tu sais c'est où. Marcus ? Ouais ? Tu m'expliques le Maccabé encastré dans le pôle Nord, là ? Ah oui ! Non mais ce type, c'est un malade ! Il m'a cassé les couilles pour une plombe ! À m'affirmer que la Terre était ronde, Galilée mon cul ! Et du coup, j'ai passé à la pratique. Simple divergence d'opinion. Mais putain, tu tues pas les gens comme ça, bordel ! Dino ! Je sais que c'est ton frère. On va devoir s'en charger. Marcus nous met tous en danger. Il est incontrôlable, il nous trahit. Tu connais la règle comme nous. Il doit payer le prix fort. Je m'en charge. Sors de là, Marcus. Hey, salut Benjamin, ça va super et toi? M'oblige pas à t'éclater les talons. Oh, si t'insistes, ça va, ça va. J'arrive. Alors, on avait rendez-vous? J'ai oublié, y'a une fête? Faites ta fête. Ouh, j'adore les surprises! Tais-toi, mon frère. Les traîtres doivent payer pour la rassemblance. Bon, t'oublieras pas de me nettoyer ton autre Maccabée, commence à empester quand même. Sale traître! On ne peut pas être trahi quand personne ne travaille pour vous.